Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de clôturer cette année en beauté avec vous. Vous avez été avec nous, vous avez accompagné cette émission, vous l'avez soutenue, vous avez accordé une attention très particulière à cette émission. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes le 31 décembre, c'est donc la fin de l'année. Et nous sommes très heureux de consacrer ces plateaux à l'évaluation, à l'analyse, mais aussi à la lecture des activités ou des réalisations du président de la République, mais aussi de l'ensemble de son gouvernement. On va essayer au cours de cette émission de passer en revue ces différentes réalisations. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'année 2022 qui commence déjà dans quelques heures? On va tenter de trouver des réponses à toutes ces questions sur ces plateaux avec Héritier Ngachi qui signe son grand retour après un très long moment d'absence. Nous apprenons, il a actuellement plusieurs occupations, raison pour laquelle il ne sait plus être présent dans les médias. Héritier, bienvenue. Merci, monsieur Hervé Itoma. Merveux. Merci à vous autant. Merci. L'année 2021 n'a pas été facile, mais avec l'aide du Très-Haut, il a fait que nous continuions à avoir ce souffle dans nos narines. Et pour ça, nous sommes très reconnaissants. Mmh. L'essentiel que nous avons la vie. Et le reste, c'est à nous maintenant de décider. Parce que Dieu nous a donné toutes les capacités et toutes les possibilités de nous décider sur notre destin. Comment allez-vous? Je vais relativement bien. Je suis un peu triste lorsque j'apprends qu'il y a l'est de notre pays. Mmh. Bien que le président de la République est à la tête de notre pays, bien que l'état des sièges existe dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mais nous continuons encore à pleurer nos morts. C'est assez décevant, étonnant et également et frustrant. Et à part ça, vous voyez, la situation économique de manière générale, elle n'est pas assez bonne. Mmh. Et donc, le fait intérieur, nous voyons l'engouement, nous voyons des gens sortir, nous voyons l'effervescence, mais on sent un climat timide. C'est lié aussi à la Covid-19, mais de l'autre côté aussi, il y a une grogne sociale, il y a une crise qui ne lie pas son nom. Très bien, on va parler de cette année 2021 qui s'achève déjà dans quelques heures. D'abord, cette année, sur le plan politique, a été émaillée de plusieurs faits. D'abord, s'il faut remonter, on va faire quelques pas en arrière. C'est au mois de novembre 2020 que le président a décidé de lancer les consultations après avoir rompu avec les FCC, une coalition qui a posé beaucoup de problèmes, en tout cas au pays. Le président va lancer des consultations. Il va consulter la classe politique. Les anciens dignitaires qui étaient jusque-là fidèles à Joseph Kabila vont traverser pour rejoindre les camps du président de la République. Janvier 2021, oui, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Onomba Tsilukwebo, informateur. C'est également une nouvelle route politique qui va commencer. Le président va comme ça choisir Sama Lukonde des premiers ministres. Jadine Mabunda sera également renversée de l'autre côté de l'Assemblée nationale. S'il faut aujourd'hui faire une lecture globale de la situation politique du pays pour cette année 2021, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et moi, je me rends compte, merci pour cet esprit éclairé, comme ça vous avez passé au pain de fin les événements marquants et saillants de l'année 2021 et qui montrent que vous êtes un journaliste aussi assez assermenté. Merci. Sur le plan politique, je me rends compte que le président a gagné toutes ses batailles. Okay. Il a gagné toutes ses batailles. C'était l'idée et était venue des communicateurs de changement. Lorsque le président de la République accéda ainsi à la majorité suprême, il y avait un problème de dichotomie, où il y avait un problème de dualité au sommet de l'État. Parce que comme nous le savons très bien, la constitution de la République démocratique du Congo a donné autant de pouvoirs au président de la République, mais aussi moins de responsabilités politiques. Par rapport à la responsabilité de s'engager vis-à-vis du Parlement. Mmh. Le président n'est pas comptable de la gestion au quotidien de la République. C'est-à-dire que le président est à l'abri des pressions parlementaires, des pressions législatives, et c'est un dessein que le constituant avait imaginé de le mettre dans notre constitution. Mmh. Le président de la République est au-dessus de la mêlée. Et du coup, il ne peut pas avoir une autre force tampon à ses côtés qui lui neutralise ou une autre force qui rivalise avec elle. Du coup, ils étaient dans une sorte de dualité politique où d'une part, il y avait M. Kabila et de l'autre côté, les présidents de la République. L'un, le président de l'institution, l'autre, les présidents des nuits. Ça veut dire les présidents d'une société politique où il était lui-même président, mais la nuit. Et malheureusement,
malheureusement, les influences de la nuit se vivaient dans le jour. Vous avez des ministres, au lieu de participer au conseil des ministres ou d'exécuter les décisions prises dans le conseil des ministres, il s'est référé d'abord à l'autorité morale qui était son président la nuit. Et du coup, ça mettait les pays ça jetait le fonctionnement du pays en pâture. Nous avons aussi un problème de cette crise, conflictogène qui existait, l'escalade verbale, les tensions, vous voyez. Des rappels à l'ordre. Des rappels à l'ordre, des enceintes, des rapages ensuite. Des invectives et consorts. Nous avons assisté à un climat, c'est aussi ça l'effervescence de la démocratie, mais une démocratie des pacotis, une démocratie qui n'a pas de consistance, pas de subsistance, une démocratie qui avait tout simplement des imers, des solimères, des caprices et ainsi de suite. Et nous avons proposé. Face à cette crise sempiternelle entre le FCC et le CACH, qui était une majorité pour mise en place pour préserver l'alternance politique, ça dit ça n'avait plus sa raison d'être. Du coup, il fallait non seulement supprimer cette majorité factice, mais aussi passer vers une nouvelle configuration politique. Pour que le président de la République reste le seul garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi celui qui veille au respect de la Constitution. Conformément, je crois, à l'article 69, le président de la République a des pouvoirs constitutionnels, notamment de veiller sur le bon fonctionnement des institutions, tout comme de veiller sur le respect de la Constitution. Mais dans le cadre, dans le contexte du FCC-CACH, le président avait certains de ses pouvoirs étaient empiétés ou sinon retirés parce qu'il n'avait plus le monopole de décider. Il ne pouvait pas prendre de décision au sein du Conseil des ministres et que ces décisions soient exécutées par la suite. Parce qu'il fallait d'abord recevoir des injonctions des Raïssi, laisser ça ferme et Kingaka, et ainsi de suite. Nous avons proposé qu'on mette en place une machine politique qui, cette fois-ci, tout le monde, toutes les institutions n'auront pour président de la République, Félix Tshisekedi. Et le président a écouté notre sagesse politique. Malheureusement, lorsqu'on a mis en place notre projet politique, on nous a mis de côté. Nous, les communicateurs de changement, c'est malheureux. Nous avons... Ça, c'est une vérité. Lorsque nous avons initié, nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On allait mettre en place la MPP, la majorité populaire pour le peuple. Parce que nous nous sommes rendus compte que la coalition FCC-CACH était loin des objectifs de privilégier l'intérêt du peuple congolais. Du coup, fallait aller dans une majorité qui privilégie cette fois-ci les peuples. C'est comme ça qu'on avait nommé notre structure MPP. Mais malheureusement, toutes les personnalités auprès desquelles, les personnalités que nous avons contactées pour soutenir cette idée, beaucoup d'entre elles ont voulu la récupérer, la faire sienne pour la défendre. Et nous avons dit non, vous ne pouvez pas nous récupérer l'idée de cette manière. Il faut qu'on négocie. Nous sommes le génitaire de l'idée. Vous nous portez, vous le faites aussi pour soutenir les pays qui sont en crise. Mais malheureusement, vous voyez, les politiciens, quand ils ne trouvent pas son intérêt, même c'est bénéfique pour le peuple, ils n'y viennent pas. Très bien. Et le président a récupéré, a écouté, et bien entendu, a regardé la crise, le malheur du peuple congolais, a bien entendu lancé les consultations nationales. Lesquelles consultations nationales ont abouti à la mise en place de l'Union sacrée? De l'Union sacrée, la conséquence, il fallait mettre un gouvernement, c'est-à-dire les mains pour exécuter cette Union sacrée et la vision de l'Union sacrée, ainsi de suite. Mais là, je me rends compte que le président de la République, comme je l'ai dit, a gagné toutes les batailles politiques. Très bien. Il a une majorité acquise, une majorité qui est absolue, acquise à sa cause. Le président de la République a, bien entendu, les institutions de la République. Il a un premier ministre qui dépend de ses ordres. Le président de la République venait de mettre de l'ordre dans le secteur de l'armée où nous avons beaucoup de généraux qui bénéficiaient et encore qui étaient en fait des garçons de course des Kabila ou qui appartenaient dans des familles politiques comme des PPRD. Je vais vous dire, dans les négociations qu'il y a eu tout récemment, lorsque Tshisekedi était de son vivant, Kabila a envoyé qui pour négocier? Il a envoyé les généraux de l'armée, qui étaient des gens qui devaient être en politique. Il a envoyé qui? Il a envoyé Caleb Mouton, l'administrateur général de l'ANR. Et ainsi de suite, ça montre que les institutions étaient fortement personnalisées et appartenant à ces individus. Et le président arrivé a libéré de cette manière les institutions pour en faire véritablement des institutions au service du peuple congolais et non en lieu et place d'être des institutions qui obéissent à ses doigts Très et bien. À ses injonctions. Alors on va retenir que 2021, c'est l'année durant laquelle
Kabila a été dépouillé de toutes ses forces. Oui. Il a été, en tout cas, on a ravi, on a pris, on a été allé débaucher, disons-le comme ça, au sein de sa famille politique, chose qui n'avait jamais été faite durant ces 18 années au pouvoir. À ce jour, pensez-vous que ces gens que vous avez pris au niveau du FCC, qui forment aujourd'hui la majorité présidentielle, contribuent ou partagent-ils véritablement la vision du président de la République, ou c'est juste une façon pour eux de se mettre à l'abri peut-être des poursuites judiciaires? Parce qu'il faut rappeler que parmi ces gens, il y a ceux qui ont géré hier, il y a ceux-là sur qui pèsent des graves dossiers de détournement, des corruptions. D'une manière générale, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a de la sincérité dans les chefs de ces gens d'accompagner Félix Tshisekedi à matérialiser sa vision? Merci beaucoup pour cette question. Je venais d'écrire quelque chose il y a deux jours là-dessus. Mmh. Je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens qui soutiennent le président de la République, nous qui sommes aux côtés du président de la République, nous nous attaquons à ceux qui ne partagent pas sa vision ou qui ne sont pas avec lui. Mmh. Je me dis, nous les faisons pourquoi? Est-ce parce qu'ils ne sont pas avec nous? Deux, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions sur la gestion de la République, ou parce qu'ils ne partagent pas la même vision que nous de la gestion de la République. Mmh. Moi, je pense que la chose la plus importante devait être cette frontière en termes d'idées, cette frontière en termes de vision cohérente et efficace sur la gestion de la République, et non être avec nous. Parce que je me suis rendu compte que le gens qui étaient hier vilipendés parce qu'ils n'étaient pas avec Félix Tshisekedi, faisant, alors qu'ils ont fait des crimes énormes, des crimes odieux, une fois qu'ils sont avec le président de la République, leurs péchés sont pardonnés. Ils sont blanchis. Ils sont blanchis, ils sont chantés. Je me dis, mais il y a un problème, ce peuple a un problème, un sérieux problème. Comment des gens qui ont tué, des gens qui ont participé à l'abaissement, au nivellement vers les bas, les gens qui ont corrompu, qui ont détruit cette société, parce qu'une fois ils sont avec nous, ils cessent d'être des criminels, des vulgaires criminels qui aujourd'hui sont aux côtés du président de la République et sont devenus des saints, des petits canards sauvages qui étaient aux côtés de Kabila. Une fois qu'ils sont avec nous, ils sont des saints. Non. Cette manière de penser politique me laisse perplexe. Je me dis, est-ce qu'est-il important de se battre? Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour un tel peuple? Des gens qui ont tué, vous les saluez parce qu'ils sont avec nous. Ils sont avec vous parce qu'ils ont changé, ou pas, ils sont avec vous parce qu'ils ont changé de perception, d'attitude et de conduite par rapport à l'existence commune. Parce que leur comportement, leurs attitudes ont constitué des menaces dans la société, ont constitué un frein pour l'essor économique. Si aujourd'hui nous avons des gens qui sont incapables, vous avez les chiffres par exemple de cette organisation, je crois l'organisation mondiale, je crois les PAM. Programme alimentaire mondial. Oui, qui estime que la République démocratique du Congo a plus de 23 millions de Congolais qui souffrent de la malnutrition, mais aussi de l'insécurité alimentaire. Mmh. Mais pourquoi nous en sommes là? Parce que des gens ont pris 200 millions de dollars qui devaient être investis pour Bouka Galonzo et ils l'ont détourné pour faire des choses à leur fin. Mais cette fois-ci, quand ces gens traversent pour venir auprès du président de la République, on oublie qu'ils ont tué. On oublie qu'à cause d'eux, nous avons de malheureux. Mais il faut remettre des choses dans leur contexte. Il faut rappeler au peuple, il faut dire au peuple la vérité. Mmh. Il faut éveiller, il faut réveiller le sens critique de ce peuple. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les gens qui ont tué, les gens qui ont contribué à détruire ce pays, une fois qu'ils sont avec le président de la République, ils sont blanchis. Je vous donne un exemple. Mmh. Madame Tshalamwana, qui a chanté tout récemment, il n'y a pas longtemps, elle a chanté une chanson Ingratitude. Lorsqu'elle a chanté Ingratitude, l'effet des boucliers, convoqué même à l'ANR, l'effet des boucliers, la commune, les loubas, faut qu'on le dise, c'est pas, c'est pas le tribalisme, on l'a dit, il a été renié, jeté par sa communauté, parce que pour cette communauté, elle fait la honte. C'est une dame qui dansait nue, c'est une dame qui a perverti le mœurs. Mais hier, elle chante Fatih Béton. J'ai vu mes amis qui ont insulté cette dame, la publier, la mettre dans leur page. Mamou, si c'est Mamou, je suis ainsi de suite. Les gens ont oublié que cette dame a perverti le mers parce qu'aujourd'hui, tout simplement, elle chante pour le président. Est-ce que notre combat doit être celui de
gens qui sont avec nous ou qui ne sont pas avec nous, où notre combat doit s'articuler autour de valeurs. Ces gens incarnent les anti-valeurs. Qu'ils soient avec les présidents de la République ou pas, ce sont des anti-valeurs. La priorité devait être l'accent sur le valeur, l'accent sur les idées fortes qui doivent construire ces pays et non être avec les présidents. Parce que même autour du président de la République, il y a des vulgaires criminels. Exactement. Il y a des coulons à cravate qui font des détournements. C'est-à-dire, la priorité, ce n'est pas d'être avec les présidents. La priorité, il faut que ces gens traduisent et incarnent les valeurs. C'est ça la faiblesse de l'Union sacrée. Pourquoi je suis allé dans ça? Pour dire que les gens qui pensent le fait que ces gens ont rallié l'Union sacrée, ces gens sont avec les présidents. Qu'est-ce qui a changé dans les comportements de ces gens? Rien du tout. Ils sont restés foncièrement mauvais. Ce sont des corbillards politiques qui ont accompagné la plupart des régimes au cimetière. Ils ont accompagné Mobutu au cimetière. Il était enterré seul. Ils ont accompagné Moussa Laurent Désiré Kabila au cimetière du corbillard et ils sont retournés. Ils ont fait pareil pour Joseph Kabila. Aller dans le cimetière politique et sont retournés. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mou Kabila n'est pas encore mort, Joseph Kabila. Il est juste ici, à quelques kilomètres de Kinshasa. Mais ces gens les quittent les uns après les autres. Kabila se regarde, il se dit, mais finalement, je fais des hypocrites. Je rendis des hypocrites, des célèbres. Je fais de ces gens des millionnaires. Je les ai rendus riches. Mais voilà, je ne suis un pas un peu comme les Congo a fait aussi de lui-même Kabila millionnaire. Écoutez s'il vous plaît. Kabila a bénéficié, bien entendu, de notre naïveté. Il a bénéficié de la naïveté des Congolais. 18 ans, jour pour jour, ce messier a appris à parler, ici, avec les frais de contribuables congolais. Il a appris à bien se vêtir. Il a eu les goûts du luxe. Ici, s'acheter des motos. Des courses, il a mis le goût du luxe dans ce pays pour s'acheter des Maserati, des voitures, de luxe, des voitures de course dans ce pays. Kabila doit tout à la République démocratique du Congo parce qu'il a tout gagné de la République démocratique du Congo et de même, par reconnaissance, très bien. Il a créé aussi des gens autour de lui qui malheureusement n'ont pas contribué à la République démocratique du Congo. C'était un conglomérat de voleurs. Lui volait de sa manière, de son côté. Les autres aussi devaient voler de son côté. Et c'était ça la politique. Très bien, on va évoluer. Alors la page FCC tournée, celui qu'on appelait Pepe Ilunkamba va aller pratiquement en retraite. Samalou Kondé arrive comme premier ministre, je crois, le 15 février. C'est le 15 février qu'il a été nommé, si je ne me trompe pas. Pratiquement deux mois après, son gouvernement et lui seront investis. Alors, depuis la mise en place de ce gouvernement, comment appréciez-vous ce qu'il a déjà réalisé comme travail? Est-ce que ce gouvernement entre dans la ligne du président de la République qui parle du peuple d'abord, état des droits, justice équitable? Pensez-vous que Samalou Kondé et l'ensemble de son équipe travaillent véritablement sous la vision du président de la République? Merci beaucoup pour la question. Il faut être honnête. Je suis honnête, je suis sincère. Quand je viens dans les plateaux de télé comme le vôtre, je ne viens pas m'amuser. Je viens dire des choses qui puissent réveiller le sens critique du peuple congolais. Très bien. Parce que nous sommes dans la démocratie. Le soubassement de la démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté de participer à tel programme ou de refuser d'y participer. Et cette liberté doit être éclairée par la raison. Ainsi, nous communiquons la raison pour que les gens comprennent les choix à faire pour déterminer leur lendemain. Je me demande quelle est la vision de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'a pas de vision. Aucune vision. Ce que le président de la République a dit, ce sont des préoccupations. Il a consulté le peuple lui a fait montre d'un certain nombre de désiderata. Le président dit, je vous ai écouté. Et en vous écoutant, voilà ce que je compte faire. Mais en le disant, il a tout simplement pris les aspirations profondes du peuple congolais. Est-ce que l'Union sacrée a mis un chemin sur lequel nous devons marcher? Nous savons que la vision de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Mais attendez, un peu, vous allez évoluer. Les programmes que Samalou Kondé a présentés et défendus devant la représentation nationale, ces programmes n'émanaient-ils pas du président de la République? N'est-ce pas ça aussi sa vision? Non, le président de la République, malheureusement, n'a pas des programmes. Le président de la République a une vision. La vision, c'est au niveau métaphysique. C'est vraiment au niveau immatériel. Il dit, voilà ce que moi je pense du Congo. C'est comme vous venez vers un couturier, vous lui demandez, papa, faites-moi
tellement. C'est que je vais être beau. Je vais être beau ou je vais être belle. Voilà ce que moi je pense de ma robe. Et vous, couturiers, vous faites exactement une robe ou un pantalon à la lumière des informations. C'est ça, Malou Kondo, fait alors. C'est ce que Samuel Okondo est en train de faire, mais je me dis que ce n'est pas très ambitieux. Alors, auteur de la République démocratique du Congo. Donc, c'est le président qui n'est pas aussi très ambitieux par rapport aux attentes des Congolais. Le président de la République, mais comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, n'est pas responsable de la gestion quotidienne du gouvernement. Exactement. Le président de la République n'est pas lié à l'action gouvernementale. Mais les programmes appliqués par le président de la République est lié, par contre, à sa vision. Laquelle vision, lorsqu'il a été avant les élections, il a dit « Je vais faire des cécis des Congolais ». C'est ce que le président de la République a dit. Mais il y a une chose, il y a les temps. Lorsque vous avez hérité d'un pays totalement exsangue, un pays totalement à l'agonie, la première des choses, il faut d'abord les ramener de l'état de l'agonie, l'état du coma, pour le mettre en soins intensifs, et des soins intensifs pour les récupérer, pour le mettre en salle, les stabiliser. C'est ce que le président est en train de faire. Vous avez un pays où les individus sont plus riches que l'État, dans un pays où le collage des recettes est devenu le lot quotidien, la gabegie financière au sommet de l'État, où le président de la République, les anciens présidents de la République, étaient eux-mêmes trompés des affaires de corruption. La corruption s'est vivée dans la famille du président de la République, mais malheureusement, aucun mécanisme de contrôle et aucun mécanisme de répression. Et du coup, fallait éveiller ces mécanismes de contrôle, parce que dans toute famille, dans toute société, lorsque le mécanisme de contrôle et de répression n'existait pas, c'est les laisser aller. Et nous vivions les laisser aller sous le régime de Kabila, où des gens volaient l'argent sans qu'ils ne soient inquiétés. Le président devait commencer par là. Il a réveillé l'IGF qui a été mise en place depuis 1987. Même moi, je ne savais pas qu'il existait l'IGF dans ces pays. Parce que tout simplement, les régimes prédécesseurs, les régimes prédataires, ne voulaient pas qu'il ait un mécanisme de contrôle parce qu'il les remettait très, très mal à l'aise. Le président de la République a réveillé, a doté l'IGF de son arme pour que cette fois-ci, cette institution contribue notamment à la lutte contre la corruption. Sur l'autre plan, vous savez, sur le plan de la sécurité, vous le prenez en réplique, bien entendu, à instituer l'état de siège, mais une forme juridique et un régime dans lequel les militaires opèrent, les militaires agissent, les militaires gouvernent. C'était tout simplement pour augmenter la menace vis-à-vis des inciviques, mais aussi imprimer la détermination que la République démocratique du Congo, cette fois-ci, a les yeux focus sur la partie est de son pays. Idée qui a duré depuis plus de 20 ans, depuis 1994, 1995, qui a eu les premières agressions, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais continuent à mourir. Mais seulement, je dis que les gouvernements, qui est bien entendu comptable de la gestion du pays au quotidien, doit être ambitieux en termes de répartition de l'assiette, en termes de répartition des programmes, parce que nous sommes dans un pays où le président de la République prend le peuple d'abord. Mais comment pouvons-nous parler du peuple d'abord quand les institutions de la République, à elles seules, consomment 60% de revenus de l'État? C'est antinomique, c'est assez contradictoire, c'est paradoxal. Nous devons quitter l'état des discours, c'est-à-dire de vœux pieux pour aller dans le terrain de la pratique. Nous voulons le peuple d'abord, mais le peuple d'abord se matérialise avec beaucoup de financements directs ou indirects qui sera consommé par le peuple congolais. Là, je pense aux investissements. Le gouvernement de Samuel Okondo n'a pas organisé une part importante pour les investissements. Or, ce sont des investissements qui créent des richesses, ce sont des investissements qui créent de l'emploi, et ce sont des investissements qui attirent de l'intelligence et d'autres capitaux. Mais malheureusement, le gouvernement Samuel Okondo n'a pas été très ambitieux sur ce secteur-là. Nous avons notre secteur, là, je salue l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé de tout. L'éducation produit l'intelligence. Et cette intelligence produit, imagine, la vision du développement et les moyens pour atteindre cette vision du développement. Or, nous avons une éducation des pacotis, je vais le dire. Vous avez des gens qui quittent aux universités pour aller demander de l'emploi. J'ai appris que le ministre des PME avait dit, d'ici l'année prochaine, on va instituer les cours d'entrepreneurs à l'école. Bravo! J'ai dit bravo, fantastique, pouvez qu'on les mette en place. Les enfants doivent être initiés dès les bas âges au PME, à l'entrepreneuriat, à l'initiative privée, à lieu et place de créer des automates qui sont là que pour consommer à lieu et place des produits. Très bien, alors on va évoluer.
tout ce que vous avez évoqué, c'est bien bon, la justice, la diplomatie, les investissements, oui, c'est bien. Mais là où la population attend les présidents de la République, les premiers ministres et l'ensemble de son gouvernement, très bien, Héritier Ngachi, tout ce que vous avez évoqué, c'est bien. La diplomatie, la justice, l'IGF, les finances publiques, oui, c'est bien. Mais là où la population attend les présidents de la République, les premiers ministres, les gouvernements en œuvre, c'est du côté du panier de la ménagère. Rien ne semble bouger jusqu'à ce jour. On avait reposé beaucoup d'espoir sur les présidents de la République. On pensait que, qu'à son avènement au pouvoir, tout sera réglé, tout sera remis en ordre. Mais là, on se rend compte que jusqu'à ce jour, nous sommes les 31, demain c'est les premiers, il y a des familles qui n'auront même pas un petit pain à mettre sous la dent. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces secteurs? Comment on n'arrive toujours pas à remettre de l'ordre afin que tout le monde puisse se sentir aussi à l'aise? Merci beaucoup pour cette question, mais voyez-vous, le discours de campagne ou le discours de séduction politique et politicien est axé. Ce discours, la plupart d'entre eux sont axés autour du social. Les sociales et les sociales et les sociales. Parce que tout simplement, c'est un discours captivant. Quand on dit le social, les peuples congolais voient le panier de la ménagère. Mais il faut se le dire, nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons appris, le social est une conséquence de l'économie. C'est l'économie qui détermine le social. Quelles sont les politiques publiques, les politiques économiques mises en place pour résorber la question, notamment la stabilité de la monnaie? Parce que lorsqu'il y a stabilité de la monnaie, et, alors il n'y a pas de problème de dévaluation de la monnaie. Il n'y aura pas un problème comment on appelle ça, ces termes, ça va venir. Il y aura, le peuple ne perdra pas son pouvoir d'achat. Parce que ce sont ça aussi les problèmes. Vous pouvez augmenter le salaire d'un policier que vous avez trouvé à 100 000 francs, à 200 000 francs congolais. Mais lorsque hier, il pouvait acheter les pains à 1000 francs, et demain, avec un salaire de 200 000 francs, le pain augmente à 2000 francs, vous n'avez rien fait. Du coup, il ne faut pas seulement penser à augmenter les salaires, mais il faut aussi stabiliser la monnaie, parce que la stabilité de la monnaie est un élément très fondamental pour la stabilité sociale. Parce que le peuple est déterminé aussi par rapport à sa capacité d'avoir accès aux biens et aux services. Il y a une chose, les gens pensent que quand on parle de social, tant de manière automatique, tout doit se mettre en branle, les salaires doivent descendre, augmenter, le pain doit, ainsi de suite. Il faut des politiques économiques efficaces. Mais malheureusement, je me rends compte que ce soit les gouvernements, Sama Lukonde, même au niveau de la présidence de la République, sur la plupart des projets initiés par les présidents de la République, le taux d'exécution de ces projets n'ont pas atteint 50%. Ce sont des projets mis en place tout simplement pour voler l'argent, parce que le président l'a reconnu dans son discours qu'il y a eu un problème de coordination. Mais le président de la République, lorsqu'il y a un problème de coordination, des projets initiés soit par vous, soit des projets initiés par les gouvernements au travers des conseils des ministres que vous présidiez. Sinon, il y a un problème de coordination. Lorsque vous ne veux pas de bonnes personnes et vous ne faites rien pendant tout ce temps, en réalité, qui est le mauvais? C'est vous. Ça, je suis en train de mettre le président de la République devant ses responsabilités. Parce qu'en 2023, les gens n'iront pas demander à Sama Lukonde. Les gens des Congolais ne savent pas que Sama Lukonde qui dirige le pays, qui gère le pays au quotidien, ils disent président Félix. Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté Sama Lukonde. Ils ont par contre voté le président Emmanuel. Celui qui est comptable, politiquement, malheureusement, ça c'est notre constitution. Il y a l'un qui est comptable politiquement et il y a l'autre qui est irresponsable politiquement, mais l'un électoralement. Il va dire au peuple congolais, vous m'avez donné le pouvoir pour que je fasse ceci, cela, ceci pour vous. J'ai fait ceci, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Et ainsi, je demande au président de la République d'arrêter avec son bon cœur, qui consiste à voir des méchants qui sabote sa vision, qui s'arrange à torpiller ses décisions, mais les garde. S'il les garde, alors c'est lui le mauvais. Vous avez des gens qui ont torpillé la justice, mettant à mal l'exécution de l'état de droit. J'ai aucun discours. Tous les gens qui ont été condamnés dans les procès sans jour sont libres. Exactement. Vous avez... Et pire encore, d'autres ont été relaxés sur... Grâce présidentielle. Jusque-là, quelle était la décision? On a seulement, en guillemets, suspendu les directeurs de la prison. Mais les sanctions devaient remonter.
Les sanctions devaient aller jusqu'au niveau du ministre de la Justice, jusqu'au niveau du procureur, jusqu'au niveau à tous les échelons, parce que la responsabilité devait être établie de manière échelonnée, mais on s'est limité au directeur de la prison, et moi j'estime que c'est une décision fantaisiste. Et ainsi, j'interpelle le président de la République. Le peuple congolais compte sur vous. Le peuple congolais, en vous voyant arriver au sommet de l'État, a dégagé cette lueur d'espoir. Et vous êtes arrivé au rendez-vous de l'histoire. Un peuple longtemps meurtri qui a besoin d'un renouveau, qui a besoin d'un soulagement. Et en vous voyant, ce peuple a fait ouf de soulagement. Du coup, lorsque vous mettez des décisions, lorsque vous initiez, vous donnez la vision pour le bien-être de ce peuple, et vous vous rendez compte que cette vision est torpillée et mise à mal par vos amis, très bien, vos collègues, vos collaborateurs, la moindre des choses à faire, c'est les réduire en ayant pour ne pas causer du tort au peuple congolais. Ne pas le faire, vous êtes taxé pour le mauvais vis-à-vis du peuple congolais. Je reviens encore sur ce que vous avez soulevé ici, ces problèmes de pilotage et de coordination constatés par les présidents lui-même. Je me rappelle encore en 2019 ou 20 comme ça, les présidents en tournée, je crois, à Londres, avaient dit qu'il avait un stylo rouge pour frapper tous ces gens qui ne vont pas s'aligner derrière sa vision. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui le fait pour le président de détenir son stylo rouge, mais en même temps constater ces problèmes de coordination et de pilotage sans toutefois frapper? Bon, est-ce que c'est de la passivité, c'est le régime de l'impunité tant décrié qui refait surface ou comment? Le président de la République a malheureusement une constitution taillée sur mesure. Vous savez que le président de la République n'a pas les prérogatives de demander à un ministre de quitter le gouvernement sans le premier ministre. Alors, même au niveau de son cabinet, il n'a pas frappé. Là, non, s'il vous plaît. Les cabinets. Ses conseillers aussi sont reprochés. Les cabinets est une institution privée. Les directeurs des cabinets n'est pas responsable devant le Parlement. Il n'y a aucune institution dans ces pays. Mais pourquoi les sauf la justice, sauf la justice qui peut s'apprendre à un directeur des cabinets. Pas le Parlement, moi le gouvernement. Ils sont responsables seulement vis-à-vis du président de la République. Mais pourquoi, attendez un peu, pourquoi ce stylo rouge du président de la République ne peut pas commencer son travail d'abord au niveau de son propre cabinet? Le malheur aussi, c'est celui-ci. Le président de la République, respectant la séparation des pouvoirs, il ne peut pas seulement se baser sur des suspicions et des rumeurs pour sanctionner quelqu'un. Il faut qu'il ait des données avérées. Il y a quelqu'un qui a été arrêté dans son cabinet, je crois, le conseiller Lobo, a été placé à garde à vue, relaxé deux ou trois jours après. Malheureusement, j'étais avec un ami avocat, il m'a dit la vérité, yeux dans les yeux, il m'a dit, mon ami héritier, j'ai honte de ma profession en République démocratique du Congo. Vous avez des décisions judiciaires qui sont négociées entre les avocats, les magistrats, les procureurs. Il m'a donné une anecdote. Très bien. Il y a une maman qui avait un problème de succession, de liquidation de leur patrimoine, de seul bien qu'ils avaient avec leur mari, son mari. Et les enfants se sont mis d'accord pour liquider la parcelle, mais la maman s'y est opposée, comme les successeurs de première catégorie. Vous savez qu'est-ce que les avocats ont fait? Les avocats ont négocié avec les procureurs pour qu'on arrête cette maman Manuel Militari, une maman qui a 70 ans. 70 ans, on l'a arrêté avec un faux mandat d'arrêt, on l'a placé à Makala et de Makala, les avocats sont venus négocier avec elle, avec le procureur. Maman, avec ton âge, si on te laisse ici, tu vas moisir en prison. Signe seulement qu'on accepte qu'on vende la parcelle. Et la maman a signé sous pression. Des choses comme ça, c'est ce que nous vivons au quotidien dans l'appareil judiciaire de notre pays. Ayez seulement l'argent. Les présidents parlaient des réformes dans... au niveau de la justice. Les réformes, le président de la République a initié les réformes, c'est un volet. Faire le changement dans l'administration de la justice n'est qu'un volet de réformes. L'autre paire de réformes, ce qui est très important, c'est la loi, la législation. Et si à un moment, je commence par donner raison à mon ami Minaku, qui a initié cette loi pour que les magistrats soient sous la coupe de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, une Assemblée nationale aussi entre les mains des voyous. C'est ce qui est dommage. On va terminer l'émission. C'est dommage, une Assemblée entre les mains des voyous. Des gens, vous voyez comment ils se comportent. Moi, j'ai vu un député insulter une bêtise à une femme parce que tout simplement, sa femme, lorsqu'il est allé à mission parlementaire, il a engrossé une femme. S'il vous plaît, il a engrossé une femme là-bas.
Et sa femme de la maison est venue l'accuser à la commission PAJ. Il a cité sa femme de bêtises comme ça, il va tout le monde. Cette histoire des insultes et des menaces. Il a semblé de papoter. Les insultes et les menaces au niveau de l'Assemblée nationale, les, ouais, mais les fois, mais étonné. C'est une Assemblée nationale des voyous. Vous voyez, ce n'est pas moi, Adélie César a qualifié son président des voyous. Et l'autre a rétorqué qu'il était un délinquant. C'est-à-dire, c'est une institution des voyous et des délinquants. Ainsi, je donne rendez-vous au peuple congolais en 2023. Je n'ai pas voté. C'est malheureux dans notre pays, on vote les gens parce qu'ils viennent avec les riz. Très bien, on va terminer l'émission. Dans quelques heures, ça, on sera déjà dans l'année 2022. C'est pratiquement le dernier virage pour les présidents de la République. Parce que 2023, c'est une année électorale. Qu'est-ce que le président doit réaliser en 2022 afin qu'il puisse séduire cette population quand il ira encore solliciter un second mandat? Il y a les bureaux de la CENI mis en place, bien que contesté par certaines formations politiques. Non, sur la question de la CENI, le train vers pour les élections est déjà mis en place. Si vous voulez que Félix Tshisekedi quitte les pouvoirs, ce moyen des élections, comment réviser les élections alors que vous avez la possibilité de les sanctionner? Nous sommes résolument engagés d'aller dans cette voie des élections. Laissez-moi... parce que c'est le seul moyen de sanctionner les politiques. Mais laissez-moi finir ma question. Alors, qu'est-ce que le président doit corriger en 2022 pour que pour qu'il puisse bénéficier aussi d'une certaine crédibilité au niveau de la population en 2023? Parce qu'aujourd'hui, on reproche au président de la République d'avoir fait beaucoup de promesses et moins de réalisations. Alors, s'il faut aujourd'hui vous adresser au président de la République, qu'est-ce que vous allez lui demander de corriger en 2022? Parce que 2023, c'est une année électorale. La première des choses, moi, je vais demander au président de la République de cesser d'avoir cette bonne foi. Cette bonne foi qui, par moments, frise l'inactivisme passif contre les crimes commis, perpétrés, de sabotage contre votre autorité et votre vision. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vais demander que le président de la République, à travers le conseil des ministres, imprime sa vision pour que cette fois-ci, les projets qui seront initiés par les gouvernements se réalisent dans toute leur globalité et que tout manquement, tout détournement ou toute suspicion autour des projets ou aussi le manque, les déficits en termes de réalisation sont sanctionnés de la manière la plus totale. Monsieur le Président, les gens qui vous détestent, ce sont ceux qui torpillent et qui sabotent vos projets. Parce qu'en sabotant vos projets, ils font que des millions de Congolais se retournent contre vous. Et nous qui vous aimons et que nous qui croyons en vous, nous vous demandons d'être très regardants et d'être trop mûrs. Qui est l'autorité de l'État, c'est manifeste de la manière la plus cruelle contre ceux qui torpillent et sabotent vos projets. Vous avez des projets Tilejoulou qui tournent à rond. Vous avez des projets zéro trou à Kinshasa. Un projet de 43 millions de dollars pour 6 mois, les embouteillages énormes. On apprend qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a décaissé que 5 millions de dollars à peu près 15%. Alors que. Sur 43. Alors que nous sommes pendant les périodes de festivité, la circulation elle est fluide. Moi je pense que même les projets initiés par les gouvernements doivent être intelligents. Je me rends compte que la plupart des projets souffrent des problèmes de la contextualisation, mais aussi un problème de l'intelligence dans leur conception. Vous ne pouvez pas initier un projet comme celui-ci à Kinshasa pendant les périodes de festivité. Là où vous savez qu'il y a plus de mobilité, c'est tout simplement pour faire souffrir ces paisibles citoyens qui sont obligés de faire les pieds de la ville, du centre-ville, jusqu'à Massina, jusqu'à Abibo. Moi, je pense que ça aussi, c'est une autre leçon. Très bien. On va pour l'année qui commence, mettez de l'intelligence. Il faut qu'on nous arrête avec des projets politiques en lieu et place de proposer des solutions économiques qui s'inscrivent dans la durée. Les projets de Chinchard, c'est une autre aventure, je ne dis pas son nom. Vous dépensez 8 millions de dollars. Qui dit 8 millions de dollars pour aller acheter les chinchards en Namibie, je sais où, alors qu'on nous apprend qu'avec 500 000 dollars, on peut acheter un bateau de pêche. Arrêtez avec des solutions politiques, pensez aux réponses économiques et des réponses économiques qui ne soient pas conjoncturelles, mais des réponses économiques qui soient structurelles pour amener ces pays vers son essor économique, social et politique. On a terminé l'émission, alors moi je vous donne une minute. Vous allez nous dire librement 5 ministres
qui doivent quitter ces gouvernements au cas où il y a remaniement, à commençant par le Premier ministre lui-même. Si vous estimez que lui aussi doit partir, vous les citez. Et puis vous allez nous dire 5 ministres qui, selon vous, ont été compétents et ont respecté la ligne directive du président de la République. Parmi le... D'abord, 5 départs. 5 départs. Mmh. La ministre des Mines, mmh. Celle-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout. Le ministre... déjà que c'est difficile de connaître les ministres de ce gouvernement. Ils ne font absolument rien. Vous voyez, dans ces pays, on nous a habitués. Ah ben c'est comme moi, je vous propose 5 ministères. Vous allez me dire s'ils doivent partir ou rester. Voilà, c'est les ceux qui doivent partir. Je citais ministre des Finances et des Mines. Ministre de l'Économie. Ok, Jean-Marie Kalumba. C'est lui-là qui doit partir. Il est de l'ADC. Il a fait du n'importe quoi. C'est lui qui est... Il a fait des choses dans la légalité. Il a demandé aux entreprises, bien entendu, de respecter la grille barémique par rapport à la loi organique. Mais jusqu'à aujourd'hui, même son fils à la maison a rigolé lorsqu'il prenait cette décision, il n'avait pas de moyens. C'est lui qui doit partir. Le troisième. Ministre de la Jeunesse. Il a été reçu par un enfant en Belgique. Il a été reçu un ministre de mon État. Yves Moukoulou. Et Yves, un ministre de mon État, il est parti avec l'argent du contribuable congolais et puis il écrit échange fructueux, il a été resté avec un ami à Marseille ou c'est quoi là. Celui-là doit partir, un ministre des échanges fructueux, depuis qu'il est là. Très bien. Quel est l'échange fructueux? Les échanges fructueux ne développent pas les pays. Quatrième. Le quatrième ministre qui doit partir, le ministre. Quel ministre aussi qui commence à m'énerve? Le ministre des. Bon, ça va revenir. Justice. Ah, celle-là. Infrastructure. Partir, lui aussi doit partir. Transport. C'est bon, il doit rester. Et pesqué. Super, il est là. Et si Mouindo. Il doit seulement s'attendre. Il doit avec son premier ministre pour que les choses se fassent. Il doit arrêter. Il doit arrêter de se comporter comme un joker politique envoyé par sa famille politique. Il vient avec des déclarations tapageuses qui malheureusement ne sont pas très bien réfléchies à la base. Voilà maintenant les conséquences. Il a été humilié par son premier ministre. Environnement. Celle-là, je ne connais pas aussi grand-chose. Je vis seulement tout ce que je connais. Elle a été, il y a quelqu'un, un criminel qui est entré dans son bureau. J'ai quelque chose à lui proposer. Madame F. Non, on a débordé. Madame F. Bazaïba, Excellence F. Bazaïba. J'ai des gens qui m'ont contacté pour me dire sur le dossier du transfert de l'eau de l'Ubangi. Et à cause de ça, ils veulent faire des menaces contre madame. Très bien. J'ai appris ces choses comme ça. Et il est important que nous voyons avec Excellence, nous allons échanger autour de ça pour que nous proposons des pistes de solutions parce qu'elle est devenue la cible de ces gens qui veulent les transférer de l'Ubangi. L'émission est terminée. Sam Lukonde lui-même, doit-il partir ou rester encore? On m'avait dit que c'était un ingénieur. Et les ingénieurs sont rigoureux dans l'analyse. Ils ne sont moins bavards comme nous qui avons fait les sciences humaines et les sciences sociales. Mais je me rends compte que Sam Lukonde est non seulement taisé, il ne parle pas beaucoup, c'est bien, mais aussi il est impuissant. L'émission est terminée, c'est de la fin de l'année et Ritien Nassi. Alors moi je vous donne l'occasion en 30 secondes de présenter vos voeux le meilleur à des gens qui vous sont proches. Mes voeux le meilleur à la première institution du pays, son excellence monsieur le président de la République et son épouse Mama Denise. Mes meilleurs voeux au premier ministre, chef du gouvernement Sam Lukonde et son épouse. Vous connaissez l'épouse de Sam Lukonde? Non. Donc, jusqu'à là, il n'a pas de femme. Je ne connais pas grand-chose sur ça. Ah, ok. Je pense qu'à son niveau de responsabilité, il doit avoir une femme. Bon, même s'il n'en a pas, ce n'est pas un problème. Et mes meilleurs voeux au président Bahati, qui est allé en Ouganda pour inaugurer une boucherie. L'émission est terminée. Mes meilleurs voeux au président Mbosso, le Kisimbi, le président Mbosso, Joe Biden. Kisimbi du Parlement, le mannequin du Parlement. Mes meilleurs voeux à mes amis Modeste Kambala, le petit gouverneur de la Tchopo. Mes meilleurs voeux à mon ami Roselin Kiyanga. Meilleurs voeux à mon ami Monplessis Bolokole. Il sera gouverneur de Maïndombe. Très bien. Et le vice-gouverneur de la Kinshasa, de la ville province de Kinshasa, mon ami Rabbi Koulambe. C'est lui le futur vice-gouverneur. Il va remplacer Néron Bongo, un autre aventurier qui est allé à. C'est Gekoko qui est pressenti pour occuper ses postes. Non, Gekoko a des problèmes. Il a un problème avec la justice. Il a demandé à une femme de pisser. Et puis c'est en plein mal. On a des choses contre Jacob. L'émission est terminée, Ritien Nassi. Merci de votre passage dans
dans ces plateaux spéciaux qu'on a consacrés à l'analyse et même à la lecture. Je n'ai pas dit meilleur vœu au DG. Je n'ai pas dit meilleur vœu au DG Christian Bossembe, le futur gouverneur de l'Équateur. Nous comptons sur lui. Les charges de cette province est sur vos épaules pour la désenclaver. Une province longtemps abandonnée par Mobutu pendant 32 ans. Un autre criminel, celui-là. Très bien, l'émission est terminée. Mon souhait pour 2022, c'est de te voir te marier. Ou me les tourne en célibat. Cette émission est terminée. Je ne suis pas obligé. Mon ami ici, Moïse Mbi, est à l'aise. Qui vous a dit qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas marié? Ben, quand on est multifiancé, on peut que développer ses discours. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Voilà. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie durant toute l'année 2021. Némi Liwat à la réalisation. Badjombou pour reporter permanent de cette émission. Jacob Ngongolo, Gaël Toudikolé, la star, les plus mignons de tous les caméramens. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir.